Salut à tous, bienvenue dans le spot, très heureuse de vous retrouver à Arèche-Beaufort, théâtre de la Pierramenta, 33e édition. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de la légende, tout de suite, le sommaire. Dessinée par les reliefs et couleurs du Beaufortin, la Pierramenta est devenue au fil des années une légende du ski alpinisme. 33 ans après sa création, la course de tous les superlatifs continue de faire rêver. Amateurs et professionnels se retrouvent chaque année sous les sommets d'Arèche-Beaufort pour une expérience unique. Quadruple champion du monde de ski alpinisme et double vainqueur de la Pierramenta, Matteo Jacquemot était au rendez-vous de cette 33e édition en équipe avec son papa Daniel Jacquemot. Ils sont nos invités aujourd'hui dans le spot. Le résumé de chaque journée à découvrir dans ce numéro. Et entre deux étapes, petit détour par Chamonix avec deux alpinistes adeptes de pente raide, Tony Lamiche et Alex Pitin. Aujourd'hui, c'est la plus belle course de l'année, c'est la Pierramenta. Ça va être une belle journée et une super course. C'est celle qu'on attend tout l'hiver, toute l'année même. Du coup, quand on est là, c'est un peu spécial. Même si c'est super dur pendant la course, on oublie vite les moments durs. Et puis finalement, quand on nous propose, c'est tous les bons souvenirs qui reviennent en tête. Des souvenirs qui sont dans mon cœur, donc forcément, je reviens. Aujourd'hui, det var verkligen det är en ett av de största, mest legendariska skiman races. Une 33e édition de la Pierramenta qui s'ouvre sous un grand soleil. Sur la ligne de départ, plus de 200 équipes, dont une vingtaine de duos féminins. Plus de 400 passionnés venus pour vivre la légende aux côtés des héros de la course. Une première journée corsée, une sérieuse mise en jambe de 2400 mètres de dénivelé, bouclée en moins de 3 heures pour les élites. Les locaux William Bombardion et Xavier Gachet ont marqué leur territoire et s'imposent sur cette première journée en 2h17min14s, suivi de très près par les Italiens Michel Boscacci et Robert Antonioli à 1 minute du duo Kylian Jornet et Jacob Herrmann. Chez les femmes, victoire franco-italienne sur cette étape, Axel Mollaret et Katia Tomasi s'imposent en 2h47min15s devant Emily Forsberg et Laetitia Roux, suivies des Espagnols Meria Miro Valera et Maria Garcia Fares. On s'y attendait qu'il y ait quatre équipes vraiment proches. On a gagné l'étape, mais c'est vraiment prêt. On s'attend à une grosse bagarre les trois autres jours. Aujourd'hui, en tout cas, on était trois équipes à la bataille, tout long. Donc c'est de belles courses et comme on aime la compétition quand c'est la bagarre. Et ouais, je pense que ça va être encore trois journées très intenses. Je pense qu'on était toutes les deux très en forme. Et ben, tout le temps qui est gagné aujourd'hui, ça sera énorme pour les jours et la course elle n'est pas du tout finie, elle vient juste de commencer, mais tout ce qui est pris est pris. Pour moi aujourd'hui, c'est que du bonheur parce que vraiment j'ai pu apprécier la course et avoir de bonnes sensations, donc c'était l'objectif de la journée et au moins on sait que on est prêt à continuer. C'est ça qui est intéressant au point de vue compétitif, c'est qu'il y a la guerre, qu'il n'y a rien qui se décide, donc ça va être à 4 journées d'enfer. C'est plus qu'une course, je pense. Déjà, on vit ensemble pendant plusieurs journées et donc tu apprends à grandir aussi avec l'autre. Et puis au-delà de la course, au-delà de la perf, c'est une vraie aventure avec des émotions, voilà, une vraie histoire en montagne et une vraie histoire d'amitié à la fin. Le papa ou Kylian, c'est toujours pareil, hein, c'est des beaux souvenirs.
Le vent s'est invité sur la deuxième journée. Les organisateurs ont préféré retenir un parcours de repli en dessous de 2000 mètres d'altitude, dans des conditions de sécurité chères à la Pierramenta. Une longue et éprouvante étape de 2757 mètres de dénivelé positif, avec des passages en forêt très techniques, mais aussi une traversée d'Arèche-Beaufort à pied pour le plus grand bonheur des spectateurs. Une étape pleine de suspense et de rebondissements chez les hommes entre les trois équipes de tête. La plus haute marge du podium s'est jouée dans les dernières descentes et au sprint final. Jornet et Herman ont passé la ligne d'arrivée 4 secondes avant Boschetti et Antonioli après 3 heures de bataille. Bombardion et Gachet prennent la troisième place à 4 minutes 34 secondes des premiers. Deuxième pour l'étape, mais nous sommes les leaders de la Pierramenta et pour moi c'est la première fois. Le leader de la Pierra, c'est une sensation spéciale. C'est des parcours qui sont difficiles, donc du début à la fin, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut avoir des problèmes, des chutes, des cassures, des coups moins bien. Donc jusqu'à samedi, à fin de matinée, on ne peut pas être sûr de finir. Chez les femmes, la régularité à l'honneur et podium identique sur les deux premières journées. À la bataille longtemps. Aujourd'hui, Axel a tiré tout le temps. C'est un angel. Aujourd'hui, on doit regarder bien notre adversaire, Kylian et Jacob, et aussi William et Xavier. On doit faire toute la course très bien, on ne doit pas faire des erreurs. On verra à midi qu'est-ce que la classe monte va dire. La récup, c'est assez bien passé. Normalement, on va avoir le soleil. Je pense qu'aujourd'hui, vendredi, il risque d'y avoir déjà un peu plus de monde sur le parcours. Donc on va essayer de faire comme hier. Retour du soleil et grosse chaleur sur la troisième journée, mais les coureurs ont aussi pu compter sur les encouragements chaleureux du public d'Arèche-Beaufort pour les 5000 mètres de dénivelé de l'étape. Cette journée marque aussi l'entrée des jeunes dans la course. Presque plus de 150 skieurs entre 15 et 20 ans se sont lancés dans l'aventure. Avant l'ultime étape, Jornet et Herman ont creusé l'écart sur leurs amis italiens et français. Et chez les filles, toujours pas de changement sur le podium. La française Axel Mollaret et l'italienne Katia Tomasis gardent la tête sur Emily Forsberg et Laetitia Roux. Et les espagnoles Mireia Miro Valera et Marta Garcia Ferrez. Heute habe ich einen extrem guten Tag gehabt. Ich habe von Anfang an richtig Gas geben können. Die Strecke ist uns entgegengekommen heute, es sind viele Flachpassagen. Die Abfahrten waren heute ein bisschen leichter als gestern. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit beim Runterfahren verloren. Es war ein perfekter Tag und das Wetter ist schön und es ist einfach mega schön bei dieser Kulisse zu starten. Imorgon är sista dagen och då går vi upp till en topp, Grönmont, och det är fullt med människor där som har gått upp dit mitt i natten för att stå och heja på oss. Ja, det är en helt fantastisk känsla att få komma upp dit. Så jag ser fram emot även om det kommer bli väldigt hårt.
quatrième et dernière journée de la Pierramenta. Comme vous pouvez le voir, il neige sur Arèche-Beaufort, mais ça n'a pas empêché le public de venir en masse et en grande forme. On découvrira dans quelques instants les temps forts de cette ultime étape et le palmarès de cette 33e édition. Mais avant, on parle pente raide avec Anthony Lamiche et Alex Pita. You gotta know, I'm feeling love, made it gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love I said it, you gotta know, I'm feeling love. Derrière nous, il y a trois types de terrain essentiels. Il y a la forêt, là où la forêt disparaît, et la zone alpine. Cette année, il y a eu des grosses précipitations de neige avec beaucoup de vent en haute altitude, ce qui nous a plus ou moins empêchés d'aller en haute montagne. Et comme c'était super bon dans les forêts et tout, on a préféré faire du ski par gravité dans les bas de station. Et l'impact du vent n'est pas du tout le même sur ces trois zones. Et aussi cette année, avec les grosses tempêtes qu'on a eues, on a eu de la neige en bas. On a pu skier, on a fait des descentes qui descendent relativement en bas dans les vallées. On est descendu jusqu'à 800 mètres d'altitude, ce qui n'est pas courant. Tout en faisant du ski un peu groupé, puisqu'on a skié souvent à deux, l'un derrière l'autre. On skiait dans les bois, et en skiant dans les bois, ce qui est pas mal de skier à deux, c'est s'il y en a un qui se blesse ou qui se fait mal ou qui s'enroule dans un arbre. La principale menace, c'est ça, c'est de se blesser. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là vite. Je suis un peu un dieu de la neige, moi, je peux faire neiger aussi. En haut, ben, ça a été souvent ravagé par le vent, ou alors il y a eu des énormes accumulations, ou alors il faisait mauvais et on ne pouvait pas monter. Non, solide. Soit c'est solide, soit je suis pas assez lourd. Cette année, il y avait énormément de neige en haut. D'habitude, on n'a souvent qu'une couche de neige à gérer sur une couche très dure, souvent de la glace ou de la neige très dure, très stable. Cette année, c'était différent. On avait vraiment des énormes plaques qui dépassent un petit peu l'entendement. C'est des gros volumes de neige. C'est des gros volumes de neige, donc c'est super dur d'imaginer comment on peut déclencher ces choses-là et qu'est-ce que ça va faire si ça bouge. C'est pour ça qu'on a laissé pas mal reposer la montagne en haut. Et on a profité en bas, là où il y avait de la puff, et où c'était bon, où c'était plus facile à lire et plus facile à gérer. On a vraiment eu une gestion de groupe intéressante, parce que même nous qui connaissons très bien les parties où on skie, parce que c'est des parties où on skie tout le temps, là on savait vraiment pas, vu les quantités de neige qu'il y avait, qu'est-ce qui pouvait bouger ou pas bouger. On a dû vraiment évoluer au ressenti et aller tout le temps un peu au moins raide en faisant gaffe de ce qu'on avait autour de nous, ce qu'on avait sous les pieds. On a skié en étant sûr de notre coup, en étant peu exposé. On s'est mis souvent sur des spines, sur les bords des grandes pentes. On n'a pas trop joué. Par contre, tout ce qui est grande pente et tout, ça nous arrivait quelques coups d'être en haut. Et là, par contre, les distances pour avoir de la marge sont bien respectées. On va de point sûr en point sûr et des vrais points sûrs, ce qui est souvent dur à lire vu l'ampleur que peuvent avoir les avalanches dans ces zones-là. Et pareillement, dans la manière de skier, on en a gardé quand même pas mal sous la pédale. Parce que souvent, c'était quand même relativement plaqué. Donc certes, on peut skier fort, mais on peut aussi se faire faucher facilement. Je m'arrête à l'ombre. L'évolution dans ce terrain-là, c'est pas une évolution freeride. C'est une évolution d'alpinisme. C'est qu'on fait des petites distances, où on fait des points de regroupement le plus safe possible de tous les dangers objectifs.
Matteo et de son papa. En attendant, on vous laisse découvrir les temps forts de cette dernière journée de la Pyramenta et les nouveaux vainqueurs de l'édition 2018. C'est très inédit. Il y a trois passages au QV où il va y avoir énormément de monde. Ça a monté au télésiège, ça a monté en randonnée. Il y aura une superbe ambiance, je pense, avec des fondus, des bons canons à boire, et ça va être sympa. On a deux petites minutes d'avance, donc c'est rien du tout, quoi. Aujourd'hui, c'est encore à 2000 et quelques mètres. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Le dernier jour, on s'est réveillé un peu la tête enfarinée, comme si on s'était pris une cuitière, mais il y aura du monde de partout, ça va être de la folie, je pense. La Pyramenta aura connu tous les climats sur cette édition 2018. Soleil, chaleur, vent et de la neige pour la dernière journée. Le manque de visibilité et l'instabilité du manteau neigeux ont limité l'étape, mais pas l'ambiance. Plus de 2000 inconditionnels de la Pierre étaient au rendez-vous sur le plateau pour encourager les coureurs. Sprint final et rebondissement sur l'avant-dernière descente, Kylian Jornet chute et se fracture le péroné. Une triste nouvelle et un abandon pour ce duo mythique qu'on espère revoir au plus vite en grande forme. Les Arrechois William Bombardion et Xavier Gachet remportent l'étape au finish, 12 secondes devant les Italiens. Mais au classement général, Michel Boscacci et Robert Antonioli remportent cette 33e édition sur le duo local. Chez les femmes, les franco-suédoises Laetitia Roux et Emilie Forsberg triomphent sur cette dernière journée. Mais le classement général reflète les trois premiers jours de course. Axel Mollaret et Katia Tomasis remportent la Pyramenta 2018 avec 11 minutes d'avance cumulée, suivie de Laetitia Roux et Emilie Forsberg, puis de Merya Miró-Baleza et Marta Garcia-Fares à plus d'une heure des premières. Ogni gara ha la sua storia e anche quest'anno la Pyramenta ha dettato la sua storia. Un grande Kylian e un grande Jakob, un grande ai francesi che abbiamo fatto 4 giorni di battaglia, di battaglia veramente sportiva, tutti i giorni a bloc e la fortuna ci ha baciato. Kylian et Jakob ont marqué la course cette année. C'est dommage que Kylian soit sur un problème physique, qu'il soit blessé. Après, les Italiens méritent leur victoire. Hein. C'est comme ça, c'est la course. Pas de regret, moi je suis super contente d'avoir fait cette Pierra et puis d'en avoir fait une deuxième place parce que voilà, pour moi c'est un beau retour là. C'était un des énormes objectifs de l'année, tout s'est vraiment bien passé, ça a été merveilleux avec Katia et remporter ensemble, c'est extraordinaire. Pas de podium pour Matteo Jacquemus cette année, mais le montagnard a trouvé ce qu'il était venu chercher sur cette Pyramenta. Des moments forts et uniques, l'ambiance de la pierre avec son père et toute la famille d'Arèche-Beaufort. C'est Matteo qui a proposé cette année, en cadeau de Noël, voilà, qu'on fasse la Pyramenta ensemble. C'était son initiative. Wow, c'est pas vraiment préparé. Hein. Non, ben,
Moi, je fais toujours pas mal de sorties, des choses comme ça. Puis lui, il a continué un peu à s'entraîner. Et puis, il n'y a pas besoin, on se connaît par cœur, donc il n'y a pas besoin de faire des sorties ensemble pour arriver sur la course. Oui, moi, c'est pareil. Hein. C'est vrai que j'ai travaillé pas mal là, les derniers mois. Donc, de toute façon, j'ai fait quelques grandes courses avant de 2500 mètres dénivelé et puis quelques grosses sorties. Puis régulièrement, après, c'était l'entraînement un peu le soir à la frontale pour garder un peu de glisse, de dynamique et garder un peu le cardio en alerte et le cœur bien prêt pour y aller, quoi. Voilà. Après, c'était l'envie et la motivation et c'est ce qu'il faut. Et c'était une belle motivation. L'important, c'est de bien gérer pour qu'ils se fassent plaisir, surtout, qu'ils ne se mettent pas dans le rouge, pour se faire plaisir en descente et puis finir les étapes quand même. Voilà, pouvoir continuer le lendemain et pas se faire mal. Donc on a commencé tranquillou. Puis finalement, au fil des jours, on a à chaque fois gagné des places. Et puis par contre, on a fini la dernière journée un peu à bloc pour qu'ils s'en souviennent un peu longtemps. Ah oui, la dernière journée. Enfin, je me souviendrai de la Pyramenta d'une manière générale. Hein, parce que la Pyramenta, c'est vrai qu'avec avec Matteo, bah, c'est la sur les trois que j'ai pu faire, effectivement, c'est celle qui était là où j'étais le plus vite, quoi, le plus rapide. Donc je m'en souviendrai bien et c'est vrai que c'était une belle expérience. C'était même inoubliable, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est un beau cadeau et je crois que bon, on ne le refera certainement pas après dans la vie. Ce mois, je commence à vraiment décliner quand même et lui, il va peut-être partir sur d'autres choses. Donc, c'est pas sûr qu'on refera ça, mais en tout cas, c'était une belle aventure commune et dans l'esprit de la Pyramenta avec tout le monde qui nous encourageait. C'est vrai que du coup, tout le monde connaît Matteo, enfin beaucoup. Et Giacomo et le papa de Matteo. Ouais, la pire main, de toute façon, qu'on soit à la lutte devant pour la victoire ou là, dans le milieu du classement, c'est avant tout une aventure qu'on partage avec un équipier, quoi. Donc, moi, ce qui m'impressionne là, de la faire là, au milieu du classement, c'est de voir aussi qu'on est autant encouragé que les premiers, voire plus. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc c'est avant tout. Tu te rends compte que c'est beaucoup de passionnés pour cette course, beaucoup de passionnés pour ce sport qui viennent faire cette course. Et ça reste la course mythique de ski alpinisme, c'est clair. Ben oui, c'est effectivement une course où je crois que toute une vallée y met un peu son cœur. Hein, c'est vrai que pour que ça se passe bien, et je crois que la majeure partie des gens, qui les traceurs et tout ça, c'est vrai qu'il y a une grosse organisation derrière, hein, c'est sûr. Mais il y a une vraie volonté que ça se passe bien. Et puis les gens qui viennent participer, effectivement, c'est une ambiance ski alpinisme, une ambiance montagne. Donc globalement, que ce soit effectivement devant, derrière ou à la fin du peloton, tout le monde est là pour boucler les 3 jours et 4 jours et boucler au mieux possible et dans une ambiance qui est quand même assez géniale. Hein. Toutes les journées sont différentes, les parcours sont différents. La Pyramenta, on la prend jour après jour, montée par montée, sinon ça peut devenir long. On s'est régalé, hein. En descente c'était bon et puis c'est vrai qu'il a pu bien gérer aussi la fatigue à la montée pour commencer, pour pouvoir aussi bien descendre, donc vu que c'est son poids fort la descente, on s'est fait quand même plaisir en descente, quoi. Donc ça c'était cool. Ouais, c'est vrai que je dois ajouter là-dessus que voilà, mon point, enfin ce qui est à retenir par rapport à notre duo à nous, c'est que d'habitude moi en descente j'ai tendance à me reposer quand je cours avec d'autres partenaires, quoi. Et là bon, c'est vrai qu'on arrivait on dépotait, on repartait vite et j'essayais de suivre Matteo autant que possible. Et donc c'est vrai que même si je suis bon skieur, bon, je lève un peu le pied, hein, peut-être avec l'âge aussi, et du coup c'est vrai que ça a été pour moi plus difficile à gérer globalement sur la course. C'était cette suite continue, alors que d'habitude j'avais des moments où je me posais, je me reposais, c'était bien. Là, non, ça enchaînait. Un grand merci à Matteo et son papa Daniel Giacomo. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette 33e édition de la Pyramenta à Arèche-Beaufort. Vous pouvez revoir ce numéro en replay sur la chaîne YouTube de Trek. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Spot.